Le rhinopithèque de Roxelane, aussi appelé singe doré, est une espèce qui fait partie des primates. Ce singe est un rhinopithèque de la famille des Cercopithecida, couvert d'une belle fourrure rousse, avec une face bleutée et un petit nez retroussé. Il vit dans les forêts de montagne de Chine du sud-ouest, le long du plateau tibétain. Le singe doré est un primate à long pelage roux orange qui a un petit nez retroussé bleu. Le singe doré au nez retroussé est un singe de l'ancien monde de la sous-famille des colobinés. Il est endémique à une petite zone dans les forêts tempérées et montagneuses du centre et du sud-ouest de la Chine. Ils habitent ces forêts montagneuses du sud-ouest de la Chine à des altitudes de 1500 à 3400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le nom chinois est le singe aux cheveux dorés du Sichuan. Il est également largement appelé le singe au nez retroussé du Sichuan. Parmi les trois espèces de singes à nez retroussé en Chine, le singe doré à nez retroussé est le plus répandu dans toute la Chine. La neige se produit fréquemment dans son aire de répartition et il peut mieux résister à des températures moyennes plus froides que tout autre primate non humain. Son régime alimentaire varie considérablement avec les saisons, mais c'est principalement un herbivore, les lichens étant sa principale source de nourriture. Il est diurne et en grande partie arboricole, passant environ 97% de son temps dans la canopée. Il existe trois sous-espèces. Les estimations de la population vont de 8 000 à 15 000 et elle est menacée par la perte d'habitat. Le singe doré se nourrit principalement de lichens, feuilles, fleurs, fruits, graines, bourgeons, écorces et herbes, avec une proportion importante de feuilles en hiver et de fruits en été. Son alimentation variée, largement disponible, permet de réduire la compétition alimentaire entre individus. Ce régime montre également une variation saisonnière compliquée. Le régime alimentaire mensuel des singes de la réserve naturelle de Shenongjia varie d'un mangeur de lichens principalement entre novembre et avril, à un mélange de folivores et de mangeurs de lichens de mai à juillet, et à un mélange de frugivores. Et mangeurs de lichens ou principalement mangeurs de lichens entre août et octobre. Pour cette variation saisonnière, la quantité de lichens consommée semble diminuer en été avec la plus grande disponibilité de fruits ou de graines. Ce primate préfère se nourrir dans les grands arbres d'une espèce d'arbre et passe la plupart du temps à utiliser la forêt primaire et la jeune forêt, utilise rarement la forêt arbustive et n'utilise pas les prairies. Même s'ils se nourrissent principalement dans les arbres et parfois au sol, ils ont plusieurs prédateurs, y compris les deux mammifères, tels que le dôle, le loup, le chat doré asiatique et le léopard, et des oiseaux, comme l'aigle royal et l'autour des palombes. Les femelles sont sexuellement matures vers l'âge de 5 ans. Les mâles sont sexuellement matures vers l'âge de 5 à 7 ans. L'accouplement peut se produire tout au long de l'année mais culmine au mois d'octobre. Cela se rapproche de la gestation à 6 à 7 mois de longueur. Le singe doré au nez retroussé mais bat de mars à juin. Dans la recherche sur les primates,
bien que la compétition mâle-mâle pour les partenaires et le choix des partenaires femelles soient les causes courantes de la sélection sexuelle, la compétition femelle-femelle sur les mâles est particulièrement importante chez les espèces polygynes. Le singe à nez retroussé du Sichuan est une espèce de reproduction saisonnière de colobine endémique de Chine et vit dans un système social à plusieurs niveaux. Étant donné que l'unité sociale et reproductive de base est le harem ou une unité masculine, qui se compose d'un seul mâle résident, d'un certain nombre de femelles adultes, de femelles subadultes, de juvéniles et de nourrissons, il a été suggéré que la compétition sexuelle dans les espèces polygynes sont asymétriques. Les femmes confrontées à plusieurs concurrents feront preuve d'un haut niveau de compétition sexuelle, tandis que le mâle résident célibataire ne connaîtra pas de compétition sexuelle au sein du groupe. Ils ont aussi jusqu'à 3 bébés. Le singe doré au nez retroussé est en voie de disparition en raison de la perte d'habitat. Par exemple, les lichens sont le principal aliment de base du régime alimentaire du singe et les arbres morts ont la plus grande couverture de lichens. Malheureusement, les arbres morts sont abattus, réduisant ainsi la qualité de l'habitat et la disponibilité de la nourriture. Le singe est un nourrisseur très sélectif, donc les dommages causés à son habitat ont un impact sérieux sur l'espèce. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.